Yes, cab rentré pour Vincent. Allez, on les encourage. Ce week-end se tenait la deuxième édition de l'Urban Session à Andernos. Deux jours dédiés aux pratiques urbaines qui, malgré une météo capricieuse, ont réuni les jeunes pour des initiations au skate, slackline, one wheel ou encore au graff. Dimanche, c'est au skatepark que se tenait la manifestation autour d'un grand contest. Alors moi c'est Sandrine, je représente l'association à Cadence et nous avons participé à l'Urban Session hier et aujourd'hui. Aujourd'hui on a ouvert plus ou moins le contest de skate pour la première fois avec le crew, donc les plus anciens danseurs de la structure. Et on est associé avec Phil Éthique qui organise le contest en partenariat avec la commune d'Andernos. Sylvain, à toi. Merci, Sylvain de l'association Phil Éthique. Donc nous, c'est la deuxième année qu'on participe à l'événement en tant qu'organisateur sur la compète, sur l'événement en lui-même. Donc la deuxième année, deuxième édition avec encore plus de partenaires, Acadence qui nous rejoint pour faire la petite démo, l'ouverture du contest, donc c'est super, il y a plus de monde qui se rajoute. Là les jeunes sont hyper motivés, le contest va démarrer, il y a du monde qui est venu d'un petit peu partout, il fait super beau, il n'y a plus de pulli, donc c'est parti, on est parti pour une belle journée Urban Session. Je m'appelle Lenzo. Ben, je m'appelle Thomas. Ben, on est venu ici pour voir le skate, on en fait un petit peu mais pas hyper bien. On aimerait bien un peu s'entraîner et voir comment on fait les figures et tout. Et en plus c'est sympa les trucs de cirque et c'est sympa, il y a des trucs buvettes et tout, c'est drôle. Ben, l'ambiance, j'aime bien le skate donc ça me plaît. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'adore le skate et c'est pour ça que je fais la compétition. Vive le skate! Mon objectif c'est de représenter Harry Skateboard et de prendre du plaisir. Bonjour, je m'appelle Florian, je fais du skateboard, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Le niveau il est plutôt très élevé, surtout dans les plus de 16 ans. Et mon objectif sur ce contest, c'est surtout de m'amuser. Alors, on est ravis de cette deuxième édition d'abord parce que le temps qui était assez menaçant est finalement clément. Et donc, on a pu hier faire la manifestation sur la place du marché à Andernos. Il y a eu une petite averse, mais il y a eu quand même eu du monde en début d'après-midi et en fin d'après-midi. Et puis aujourd'hui, l'après-midi se déroule très bien avec une trentaine de participants pour le contest.